Les voix me disent de partir d'Oranchil contre Timo. Quarante HP. Mais je suis à loup-garou, quoi. Merde. Ouais, ils ont nerf le cooldown du E de Jax, qui est le seul truc qui pose problème. Ils ont nerf le truc qui pose problème sur Jax, donc c'est trop plaisir. Oh, vas-y, vas-y. C'est un kill sur qui? Kill sur Pyke, ça va. Casse-toi. Pitié, pitié, pitié que Timo gagne, pull la belvette. Oh, je vous en supplie, je suis à nu. Je flippe. Avec le Q, oui, mais après, je peux pas auto-attaque. Elle va vraiment run down la game, hein. La Sona. J'ai jamais vu une Sona ne pas mourir, genre. Grâce au pool de wave, la wave va crash plus vite. Non, non, mais pourquoi? Why? I was chilling! Mais pourquoi ils font ça, les gens? Pourquoi ils font ça? Sérieux? Je veux pas que t'existes, littéralement, j'en ai rien à foutre de toi, genre laisse-moi faire ma lane, genre. Et là, il y a une fuck son passing, hein. C'est une folie d'être aussi con. Mais c'est un truc de fou par contre. Ah, ça va. Je me fais une. Je dis pas les mots. Hein. J'ai tout bien géré, vraiment j'ai tout fait ce qu'il fallait faire pour lane contre un Timo. J'ai trop bien géré la prise d'initiative comme quoi il a pull la belvette. Même Timo lui dit qu'il a sauvé. C'est pas grave, let's move on. La game n'est pas finie. Putain, il a un red buff. Timo red buff. Mais il comprend pas que je n'ai aucun moyen de le reach, le mec. J'ai que mon flash. Mais aide-moi à crash la wave au moins, je sais pas. Il comprend rien, il n'a rien à faire à Stello. Putain, je me fais run down. Chier, genre. Ok, j'ai crash la wave, c'est nickel. Ok, en vrai, ça va. Hein. Si je come back cette game, je suis une légende. Et spoiler, j'en suis une. C'est un truc de fou comment on est dépendant des junglers, quoi.
peux peut-être gagner cette game, allez, je vais l'acquérir. C'est tellement dur, c'est tellement dur. Déjà, c'est un match-up impossible. My bad, j'ai pas de chance, j'ai pas de réussite. S'il me mettait pas un level avec l'XP du kill et tout, c'était autre chose, ça passait. Le call est bon, mais bah, ce qui s'est passé en early m'a niqué. Ça joue à rien ce match-up, hein. Ça se joue vraiment à rien. Hein. Ça se joue au int de Kha'Zix, quoi. Oui, il m'a mis 2 Q. Non, le R peut-être. Non, non, je crois pas. Je crois pas que le R est impacté. Je crois que c'est que mes autos. J'ai un doute. Généralement, ils ont pas le timing. Donc, je suis foutu là. Par contre, là, je suis vraiment foutu. S'il te plaît, dis-moi que tu... Y a rien à faire. Vraiment, ça joue tout... ça joue vraiment... Là, si je survis à une auto de plus, je le Q et je le tue. Ça joue au fait qu'il a solo lose la game. C'est un truc de fou. C'est horrible, genre. Et là, dans ce game-là, il faut réussir à move on. Pas être affecté pour les suivantes et pas perdre confiance en ce que t'as fait. Et c'est pas on va tanker, hein. La game va durer longtemps, je suis dans un match horrible. Je les jungles quand vous êtes nuls, juste tapez vos camps, genre. Je fais des moves de shield là. Pas faire. Du coup non, il a Q et ça me blind pas mal. Un champion de fou, mais lui aussi il est overfed. Oh, je veux cette Belvette dans ma team, je veux pas le Kha'Zix. En vrai, j'ai trop mal joué. My bad. Je pense que j'aurais pu disengage à un moment. Mais la gueule de ma game, je suis censé 1v2, on est en 0-3. Il est où Kha'Zix là? Ah, il est mort. Ah, se déconnected. On va le tiquer, hein. On va le tiquer cette énorme merde. Hein. Voilà. Je veux pas tiquer des gens, moi je veux juste faire des games normales. Oui, c'est forcément un compte acheté. Un macro, c'est des trucs qui n'existent pas. Hein. Oh, je vais essayer à solo kill le Teemo, je suis assez content. Petite fierté. Je me tape tous les champions les plus toxiques du ladder, genre.
Ah merde, ça fait chier. Je fais n'importe quoi. Je joue trop mal. Je joue trop mal cette game. Eh ben. Non, c'est un random. On a vu dans l'autre game à quel point il était nul à chier, mais bon. Le bull sup, non, y'a rien. Là y a pas de game. On a un 1-5 support, lui qui run down, le mid qui perd en 1v1 contre un Vlad qui loot scale. Y'a vraiment rien dans la game. Y'a juste rien du tout là. Y'a que des comptes achetés en master. Putain. Ok, donne-lui une escape. Ouais, il gâche mes moments, genre j'ai pas beaucoup de temps pour stream et il me gâche mes games, genre. Trop chiant. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Ok. On peut peut-être prendre 3 plaques là-dessus, j'ai un ult encore. C'est quoi, c'est une belle bête? Faut keep. Qu'est-ce qu'elle nous fait la Sona? Qu'est-ce qu'elle... En vrai, elle nous donne des solo plaques, vas-y, rien à foutre d'elle. Y'a personne. On n'a pas le temps de prendre le toile, si? Je sais pas. J'ai du 30, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Il a compris le Ezreal. Je lui ai taxé le canon par contre. Bon du coup on la joue cette game, j'ai l'impression. Trois K-Gold. Je vais mettre devant lui si jamais je quelqu'un doit se faire contre elle. Parfait. Je me retrouve super riche. C'est une game no boots, hein. Je pense que c'est une game full dégâts et bonne chance. Il faut que j'aille top. Faut que j'aille top même si c'est horrible pour moi. Indra, le cerveau, le brain lag. Ok, c'est bon. On peut peut-être la 2v8, mais on est vraiment pas aidé. 1-6, 0-4, 0-3. C'est incroyable. Avoir 3 comptes achetés dans ce gentil. Le pire c'est que c'est tous les noobs qui parlent dans le chat, y a que les PNJ qui ouvrent leur gueule genre. C'est un truc de fou hein. Tu verras jamais le mec en 1v9 ouvrir sa boule dans le chat, il a pas le temps. J'ai pas mon ulti niveau 11, je pense que je le tue pas malheureusement. Il a l'air d'avoir tellement de schrooms. Bonjour Lou, ça va et toi? Ouais la femme. Je l'ai téléchargé. Je l'ai download. Non, Sylvain Mardon ne m'aidera pas. Je voulais te faire que des dégâts. Faut que je fasse les items les plus offensifs qui existent. Quitte à n'avoir aucune mobilité. Ouais, c'est peut-être de la merde en fait, parce qu'il y aura Pike. Ouais, putain. En fait, c'est bien s'il n'y a pas Pike, mais... Il y a plus d'ennemis, il y a plus d'ennemis sur la carte que d'alliés, c'est trop chiant genre. Je tue Timo, ils sont deux sur moi top, pression de map.
Mid, il y a du 1v1. Et bot. Il est en pure chilling 1v3, genre. C'est trop chiant. Trop chiant, genre. Je vais pas faire ça. Il me faut... Je vais tenter d'avoir les mobis. Ah, quand même! Après, c'est le Kha'Zix qu'on t'a acheté. Hein. Donc, normalement, un Kha'Zix, ça one shot Derry, mais là, c'est le qu'on t'a acheté. T'es sur Thunderer là? Non, je suis sur Trinité, je pense. C'est pas trop. En fait, y a pas de CC, y a l'ulti. Je demande à une Sona ainsi de toucher un ult. Et avec KS le kill. Vas-y, je vais lui laisser. Enfin, non, il va me laisser la sideline. Oh putain. Devrait y avoir un game mode spécial pour les joueurs d'enchanteurs. On fout 5 enchanteurs contre 5 enchanteurs et on les laisse jouer entre eux, genre. Ils comprennent rien au jeu. Et un pareil, un mode pour les ADC qui se jouent en 55, full ADC, full kiting, ils se kitent entre eux et qui nous laissent tranquille, genre. C'est un défilé de mode, hein. Oh, c'était clean ça. Mais vas-y, mon bonheur! Bon, je tue Pyke, je tue Zeri, Teemo est top, pression de map, elle se fait push, bot. Et il y a une partie au mid. Je vais continuer, je sais pas. Je sais pas si je dois continuer de faire ça parce que je meurs à chaque fois. Si je continue à 1v3 tout le temps. T'es en dégolémisation, c'est-à-dire. Ah, Echo, t'inquiète pas. Ici, on aime les bonnes choses. Hein. On aime les choses importantes de la vie. Il y en a certains qui. Faut que je retire parce que je pense qu'elles sont. Sanctionnable par Twitch. Mais sinon ça va. Faut fight, hein. Pitié, 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 tue-le. Non, ça n'a pas follow-up. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas follow-up cette game? On donne toujours plus de ressources à Aise après, hein. C'est pas si mal, hein, mais bon. Je sais pas trop avec le Teemo. En fait, elle n'arrivera pas après R, c'est impossible. Hein. Elle, il n'y a pas une histoire où ça scale de fou, genre Syndra, avec ses stacks. Elle en a 78, c'est comment 78 à 20 minutes? C'est un truc de fou, 78 stacks de Syndra à 20 minutes? C'est free win, non? Communicateur, tu fais pas la fête. C'est quoi la fête? Il y a des fêtes de fou, genre le 14? Oui, je sais, mais. Genre, à part le défilé, je crois que c'est ça. Je mets comme ton combo là. Ah, c'est un H, ouais, c'est un H Angles. Réel Harry. La rame de minuit. Je le fais que pour le nouvel an, ça. Vous pensez que notre fils d'up va venir smite ou pas?
Il est où Kha'Zix? Quelqu'un a vu Kha'Zix? C'est un truc de fou, c'est un truc de fou ça, mais. C'est acheté, mais c'est vraiment. C'est pas genre un plat qui achète pour passer master, genre c'est vraiment un silver, genre qui. Y'a pas eu ce compte. Pauvre Ezreal est tout seul. Et là, du coup, c'est la merde. Hein. C'est fin de game là-dessus. Ouais, c'est. Je sais pas ce qu'ils font, je ne comprends rien. J'arrive pas à comprendre les. Le raisonnement. Le raisonnement. Y a aucun raisonnement. C'est n'importe quoi. Et. En fait, ils arrivent tout le temps à faire les pires calls possibles. C'est un truc fou. Flame level, non, non, moi je flame pas. T'as vu Tiki qui s'est fait squat? Mais du coup, c'était en live? Parce qu'un mec a dit qu'il a fait une dingue. Hors live. Ouais, j'ai vu sur son tweet. Mais moi, je peux pas me faire. Enfin, moi, les gars, je vous jure que si je me fais souhaiter. Enfin. Après, je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais genre, c'est traumatisant de fou. Hein. J'ai jamais eu affaire à la police et tout. Moi, je suis un gentil garçon. Moi, je vois des keufs qui me plaquent au sol et tout. Qui forcent ma porte et tout. Moi, je me pisse dessus, genre. Et ça se voit que c'est un petit rebelle. Hein. Y a pas à swat les gens. Ça traumatise de fou, genre. Toujours essayer d'être droit dans mes bottes, toujours essayer d'être clean. C'est. Pire truc pour un streamer d'être swaté. Après, j'imagine ça comme dans les films. Je veux une team. Je suis dans une offre noire. On le tue, hein. On perd ça avec le setup que j'ai mis? Maintenant, je suis bouche bée. Hein. La Velvet a le droit de faire check 1v5. Touche tout le S. Hein. Mais même. Hein. Même comme ça, c'est chaud. Pas les mots. Ouais, my bad. Je sais pas quoi faire de cette game. Alors. 1, 7, 3, 7, 3, 9. En 2014. Mais en gros, c'est quoi un swatting? C'est le mec, il chope l'adresse. Déjà, comment il chope l'adresse? Comment tu chopes l'adresse d'un streamer? Genre des mecs qui sont ultra forts en piratage, ils peuvent savoir l'adresse de n'importe qui. C'est choquant, genre. Moi, ça va de next, hein. J'en peux plus de cette game. Hein. Pas parler de ça. Ouais, ok. En gros, c'est super simple, ok. Ouais, je m'en fous de comment on fait, mais genre, juste, c'est faisable, quoi. Mais du coup, tu peux appeler la police en étant intraçable sans qu'il y ait de répercussions pour toi. Parce que s'ils font ça, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent pas être retrouvés. Oh, je veux juste prendre ça. Toxique, hein.
Il va me falloir du mental reset 20-30 minutes, les gars. Ne... Interdisez-moi de relancer une solo queue après celle-là. Je vais insulter des darons là. Je veux pas fight ça. Vous voulez fight ça, mais moi je suis complètement out. Hein. J'ai pas envie de fight ça. Hein. On a fait un bon place, viens on s'arrête, viens on s'arrête. Plus stopper le S. Parce que c'est des mecs qui peuvent être recrutés par la NASA et tout, genre. Ils prennent des bigots. C'est quoi des bigots? C'est payé. Mais tout est très encadré maintenant. Ils peuvent entrer facilement la police. La prise de risque pour rien, hein, genre. Surtout, imagine t'habites chez tes parents. Je pense que c'est le pire. Tout le monde me ping. Non, oh non, vous attendez mon spike par contre, vous attendez, vous attendez. Vous attendez ou on perd la game? Vous attendez ou on perd la game? J'en ai rien à foutre, hein. Oui, t'as relouze, hein. OMG? OMG? Ok, là par contre, je suis tout détruire. Je vais tunnel vision sur la belle bête. Quel champion de fou! Il y a plus de cooldown en late game sur belle bête au niveau de CQ. C'est horrible. C'est horrible. Avec un petit mot partout. Ce game est en train de tout me prendre. Plus j'ai de plus cher, est en train de me prendre. Oui. Vous voulez faire le Nash? Mais le truc c'est qu'il y a full shrooms. On a une sonar. Elle est partie, le seul endroit où il y avait le shrooms. C'est une bonne retrinket ça. Ouais, c'était, je pense que c'était une urgence vitale, genre, il a dû dire qu'il y avait une urgence vitale. Pour faire intervenir à cette heure-là. C'est qu'il y avait un danger de vie ou de mort. Non, je suis pas contre ça. Nice! C'est quoi ce truc? C'est quoi ce perso de fou, genre? Je tunnel vision sur le Ezreal, je pense. Tunnel vision avec le Ezreal et on se lâche plus, genre. J'ai pas mental boom de cette game, par contre. Comment j'ai fait pour pas mental boom? C'est grâce à vous, je pense que c'est grâce au stream, hein. Si ça m'aurait arrivé, si ça avait été arrivé off stream. Genre en force, non? Ça full spin back, genre. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est du poke. Il touche rien le Ezreal, mais c'est normal, c'est trop dur là. Comme ça. Oui. On peut pas finir la game, je pense. Faut aller top, faut aller top. Ah non, vous les forcez. En force, en force, en force, on finit la game. En force, en force, en force. Putain, non, mon Zonia!
Oh, je me déteste! Tiens, toi, c'est quand même. Une pétime. Le comeback du siècle, bien joué Ezreal, hein. Ezreal est un roi.